Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Faut bien qu'il paie pour ce qu'il t'a fait, j'ai compris. Mohamed! Après, tu butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me venger? Tu vas buter tous les racistes de France? Bah, s'il faut, ouais. Bah, t'as du boulot. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens pour la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça ne boit rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Hop. Nous allons traverser 55 villes. Bah, bienvenue! Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut! Ils sont plus mes pieds! Bah, t'en as de la chance! Parce que nous, on les sent, tes pieds, hein! Je me déshabille comme ça, normal, devant tout le monde. Ouais, est-ce que ça dérange quelqu'un? Je me déshabille ici ou pas? Non. Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais je vais marcher avec vous. On va marcher ensemble. On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là. C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi, moi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité. Propre dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec tes rouges aspirines. Qu'est-ce que tu connais du racisme? Mais je connais mieux que toi, le racisme. Ça va trop loin, François. On n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop. Stop à la haine. Vous allez me l'arrêter, cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé.